En tant que poète, je pense que j'aurais pu choisir des recueils de poésie, par exemple Les fleurs du mal, la poésie de Rimbaud, l'alcool de Apollinaire, la poésie de Rilke, ou même les quatre quatuors de Eliot, le grand poète anglais. Mais après réflexion, j'ai quand même opté pour À la recherche du temps perdu de Proust. Parce que je sais que c'est un choix d'un écrivain. Parce que je sais qu'il y a des livres qui peuvent. Des livres de réflexion, de témoignage ou de spiritualité qui peuvent changer l'orientation d'une vie. Mais ici, je le répète, c'est le choix d'un écrivain. Donc, à travers à la recherche du temps perdu, et surtout à travers ce que Proust a dit, la vraie vie est une vie vécue et repensée et recréée par l'écriture. Donc, cette affirmation-là, et puis toute son œuvre, ont raffermi en moi cette confiance en l'écriture, et par là, m'a permis de me réconcilier avec la vie. Parce que, avec cette écriture, à la manière de Proust, tout un coup, je sens que je peux recréer toute cette vie perdue et recommencer à vivre.